ceux qui n'ont pas de cognassier japonais, là, je vais juste vous montrer c'est quoi que vous manquez. C'est effrayant comment ce qu'il y a là. Juste pour les fleurs, ça vaut la peine. Il doit avoir un petit peu plus qu'un mètre de haut. C'est pas mettre devant le soleil. Un petit peu plus qu'un mètre de haut. Et attends, juste là. Ça peut-être 2-3 mètres de large. Ça, c'est juste un plan. En passant, là, ça fait là. Je sais pas combien de fruits. Pas 10-15 kilos de fruits, là. Tiens. Ça, c'est un cognassier japonais. C'est magnifique. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui font pousser ça. Puis ça, c'est rustique jusqu'en zone. Au moins 4. C'est-à-dire que ça pousse bien à Québec. Ça pousse. Tiens. Ça va être bourré de fruits tout à l'heure. Les fruits sont à récolter au mois d'octobre. Bonjour à tout le monde.